Bonsoir à tous, à Nuit Debout, ici Valro, avec deux centers, le Vinso Beatbox. On va vous faire un petit truc qu'on vient d'improviser. Ok, j'espère que vous êtes chauds les gros. Une petite présentation sur beatbox, a cappella, excuse-moi le Vince, histoire qu'on s'entende parce que sinon j'essaye d'être calé en mesure et ça le fait pas. Je me présente Valro, t'as pas les cheveux blonds, ascendant gémeaux. J'informe avec le fond en imageant mes mots. Je mets la forme, ajoute le ton au maniement du flow. Je représente l'afro, le latino, l'arabe, l'asiat et tous les autres parce qu'on est tous égaux, y'a pas de niveau ni même de race, stoppez vos idéaux. Elles sont confuses et préconçues. À dispose mon prélude à base de rancœur, je présume. C'est pour cela que je me laisserai pas abattre, j'avancerai pas à pas. C'est vrai que j'ai pas passé le bac, mais en rap j'ai un doctorat. Trop de préjugés perdurent, l'homme juge sans connaître. Telle est sa vraie nature, il fait des plans sur la comète. Donc j'ai besoin de faire dur avant qu'on me jette aux oubliettes. Je veux que mes récits perturbent, que ça cogite dans vos têtes. Je parle des immondices du monde en évoquant nos vices et montres. L'art d'un lyriciste quelconque évoquant nos passifs de monstres. Qu'apportent mes écus, mes habits vétustes. J'apporte mon vécu et ça depuis des lustres. Qu'apporte le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. J'apporte une bonne raison de noyer ma tristesse. Les principes oubliés, tout le monde se juge sur le paraître. Se complète dans la paresse, réveillez-vous, ça tombe pas rond. Et à ce qui paraît, c'est devant la mort qu'on dit pardon. Ce n'est pas ce qu'il fallait, faites des efforts, ce serait bon. Remarquez, notre évolution est en constante diminution. Une croissance en explosion, mais une finance en perdition. Je vous remets mes prédictions, c'est prémonitoire. Mais à l'inverse d'un rêve, j'ai vu cela dans un cauchemar. Nous sommes hypnotisés par les billets. Tout ce qu'on peut acheter, nous sommes endoctrinés par la télé. Ces mauvaises idées pour être manipulées. La société a des projets visés. Nous sommes articulés, tous acculés devant le supermarché. Alors, pouvons-nous nous plaindre de la vie qu'on mène? Pourrions-nous nous restreindre? Tel est le problème. Dès lors, pouvons-nous feindre la venue du requiem? Que devons-nous craindre? On lâche l'entraide pour les blasphèmes. Les principes oubliés, tout le monde se juge sur le paraître. Se complète dans la paresse, réveillez-vous, ça tombe pas rond. Et à ce qui paraît, c'est devant la mort qu'on dit pardon. Ce n'est pas ce qu'il fallait. Faites des efforts, ce serait bon. Yeah. Parce que ça a rendu, on n'entend rien chez nous, mais en tout cas, l'émotion est là. Merci.